Hey, salut tout le monde, c'est Ryusuke. Whoa, Je gotta get going. vous souhaite la bienvenue pour cet épisode 23 qui signe enfin mon retour. Alors, pendant la course, je vous expliquerai un petit peu plus dans les détails les raisons de mon absence. 8h30. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à la course? C'est bien ça, je me rappelais plus, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas tourné que je me rappelais même plus à quelle heure ça commençait. Donc, les amis, on y est. Good morning everyone. Morning. Time for a daily warm-up race. You all do your best now. Yeah. Après toute cette absence, je vais retenter ma super performance de la dernière fois. J'adore être entrecoupé des paroles des PNJ. Ready, go! Donc on repasse en vue intérieure comme à notre habitude et on va se tenter ça encore une fois les amis. Alors, par quoi je vais commencer? Ben, tout simplement je vais vous expliquer les raisons de mon absence. Donc j'ai eu quelques soucis IRL, et à mon avis la première place sera pas pour ce coup-ci. J'ai eu quelques soucis IRL qui auraient pu remettre en question en fait toute l'activité de la chaîne. Donc j'ai préféré d'une part ne pas vous inquiéter pour ne pas vous parler de tout ça pour éviter justement tout ce qui est prise de tête et tout. Donc c'était absolument pas le but de quitter tout ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression que ça va être galère aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour faire clair, j'ai remis à plat tout ce que j'avais à remettre à plat. J'ai eu quelques soucis internet aussi qui se sont greffés dessus, et tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. Zen, zen, zen. Je pense que ça va être l'épisode rage aujourd'hui. Je suis pas sûr de moi à 100%, mais je pense que ça va être ça. Autant dire que la première place vient de nous échapper, les amis. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus encore, les amis? Oui, donc, vous le savez, je ne tourne pas mes épisodes à l'avance, histoire d'avoir un maximum de vos retours pour les épisodes qui suivent. C'est pour ça aussi que vous n'avez pas eu d'activité réelle sur la chaîne, tout simplement. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus à ça, les amis? Que, honnêtement... ça m'ennuyait de pas pouvoir vous faire de vidéos, mais bon, en même temps c'était pour le bien de la chaîne. J'ai été aussi malade pendant une courte période et vous avez sûrement dû voir le message que je vous ai laissé il y a quelques temps. Ma voix commence à revenir à peine maintenant et il se peut, et je m'en excuse déjà auparavant, que je me mette à tousser pendant le let's play. Donc si je peux, je vous couperai tout ça les moments où j'envoie de la grosse toux. Je couperai tout ça au montage, mais je pense que il y a des moments où je vais pas pouvoir réussir à le faire et je vais le laisser passer parce que sinon il va me bloquer. C'est génial. Comme vous l'avez vu aussi, j'ai eu quelques petites activités au niveau comment ça s'appelle, au niveau des vues, des j'aime, des commentaires, tout ça sur d'autres vidéos. C'était à partir de mon téléphone, donc c'était absolument pas à partir de mon ordinateur. Donc du coup c'est vrai que pour poster des messages j'étais un petit peu en galère vu que les soucis, tout ça, enfin je vais pas me répéter 46 fois. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que les épisodes coop avec Silariel du coup ont été mis en pause pendant je ne sais pas combien de temps. Il va falloir que je trouve un moment avec lui pour pouvoir tourner encore. Alors je sais pas du tout quand est-ce que ça va se faire, parce que vous savez qu'on a programmé les vidéos tous les vendredis. Là, ce coup-ci, vendredi, je doute qu'on puisse avoir un épisode. Bon, deuxième, mais un mauvais deuxième quand même. Ça aurait été la pire prestation que j'ai fait. Take this cargo to warehouse number 18. Here's the route map. Today's quote is written on the map.
No problem. Okay, get to it then. J'ai pas vu le quota. J'ai pas vu le quota. Bon. Eh ben écoutez, j'en profite pour placer le flashback, les amis, donc dans l'épisode précédent, parce que juste avant de me lancer sur cet épisode, évidemment si je le prends à l'envers, ça va pas le faire. J'ai regardé un petit peu dans les grandes lignes ce que j'ai fait la dernière fois. Alors, c'était énormément axé action pour une fois, ça m'a pas déplu, mais j'étais complètement largué au niveau combat. C'était un peu laborieux, honnêtement j'avais perdu un petit peu tous mes repères au niveau des combats, tout ça, les touches, donc je me suis un petit peu organisé comme j'ai pu, c'est pour ça que je parlais très très peu d'ailleurs. Allez, pose-moi cette caisse, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne vais pas faire d'accélérer, tout simplement parce que j'ai pas envie de casser l'action là pour cet épisode-là, enfin l'action pour le peu d'action qu'il y aura, puisque l'épisode précédent, on a eu quand même énormément de choses qui se sont passées. Je pense que pour cet épisode-là, il y aura rien du tout, même si on sait jamais, je pense que ça peut arriver. J'ai l'espoir, mais j'y crois pas trop. Alors si je braque pas avant, ça va pas le faire. Voilà, super. Une des raisons pour lesquelles aussi je ne vais pas faire d'accélérer, c'est tout simplement parce que, et je pense que je vous en ai parlé lors des épisodes précédents, je vous prépare un petit truc, une petite surprise pour le final de Shenmue. Et j'ai pris du coup énormément de retard là-dessus, même si c'est vrai que j'aurais pu travailler dessus. J'ai énormément de problèmes IRL qui se sont greffés entre temps, donc du coup j'ai pris énormément de retard sur tout ce que j'avais fait, même le peu d'avance que j'avais pour préparer mes futures séries, ben écoutez, je l'ai perdu. Donc rappelez-moi d'arrêter avec ce mot, même moi j'en peux plus. Enfin, tout ça pour vous dire que je prends du retard un petit peu de partout et je vais tenter, je dis bien tenter, de rattraper ça, du moins pour la surprise du final de Shenmue. Je ne vais pas pouvoir, je vous l'annonce, je ne vais pas pouvoir rattraper le retard sur les vidéos que j'ai prises, malheureusement. Je vais faire vraiment ce qui est en mon pouvoir pour... J'ai pas l'impression que c'est français ce que je viens de dire. Je vais faire le maximum pour pouvoir vous faire quelque chose de propre pour le final de Shenmue. Mais je ne pourrai absolument pas... Super. Quand je vous ai dit que je commence à perdre l'habitude. Je ne pourrai pas rattraper le retard que j'ai pris sur les épisodes. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'en profite pour vous replacer les petites infos du jour. Infos du jour, bonjour. J'ai toujours personne pour le final de Left 4 Dead avec Silariel. Alors, on n'a pas posé de date non plus pour le faire, c'est vrai, vu que du coup, de mon côté, ça prend du retard. Merci pour l'apparition du chariot, c'était sympa. Donc on essaie de se mettre au clair avec Silariel dans les jours qui arrivent, histoire de vous dire voilà tel jour, telle heure, comme ça au moins c'est fait. On essaie de faire ça le plus rapidement possible, je vous promets rien, il faut qu'on en parle lui et moi. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir déjà tourner les épisodes 7 et 8, parce que je pense qu'on va tourner les 7 et 8 en même temps, comme on fait d'habitude, hein, à chaque fois on tourne deux épisodes en même temps. Quand je vous disais que j'allais rager sur ce foutu épisode, je pense que ça va pas tarder, les amis. Zen, je vais avancer encore un peu. Enfin, voilà. Zen, respire, Yosuke, respire. Tout va bien. J'ai vu aussi que vous le boudiez d'ailleurs le dernier épisode de Left 4 Dead 2.
Enfin, du moins chez moi, chez Silariel, bon, c'est vrai qu'on s'est un peu lâché sur la durée d'épisode, je vous l'accorde. Écoutez, si vous voulez prendre des barres de rire, honnêtement, allez le voir, hein, parce qu'il y a vraiment de quoi rigoler. Hein. Alors, oui, évidemment, le titre est super équivoque. C'est un peu... c'est à cause de Silariel, si on a trouvé ce titre, hein, tout simplement. On a le même hein, à quelques lettres près. J'étais en train de commencer à compter les lettres, mais non, c'est très mauvais délire ce que tu fais, Ryosuke. Très, très, très. Laisse tomber cette idée. Donc, le fail sans fin. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que... tout simplement parce que le fail sans fin. Voilà. Si vous voulez rire, si vous voulez m'entendre rager, si vous voulez comprendre les raisons qui nous ont poussé à utiliser ce titre tous les deux et pas comme on fait habituellement chacun à sa manière, je vous conseille vraiment d'aller voir cet épisode, tout simplement. Partagez-le aussi si ça vous fait plaisir, parce que c'est pas un épisode commun, j'ai envie de vous dire. Par commun, j'entends comme les autres. Et puis voilà, quand c'est pas donc, c'est E. Voilà, alors quant à nous sur cet épisode, bah écoutez, comme je vous le disais, hein, absolument rien d'exceptionnel. Hein, on a quelques infos et je parle du nez, c'est horrible, les amis. S'il y a bien un truc que j'ai horreur, c'est parler du nez comme ça parce que ça s'entend, mais c'est juste horrible. Alors, autant vous, peut-être, je dis bien peut-être, vous ferez pas trop la différence vu qu'en 2 semaines d'absence, certains d'entre vous n'auront pas regardé d'autres épisodes de mes séries. Autant ceux qui auront tout suivi vont l'entendre de suite, et je suis désolé pour ce petit lag qu'il vient d'avoir. Autant pour les autres, comme je vous disais, ça va être flagrant et ça va être juste horrible à écouter. Enfin, pour vous, je sais pas, mais moi qui ai l'habitude de ma voix, j'ai horreur de ça. C'est passé, mais c'était limite. Allez, on va peut-être pouvoir faire une dernière caisse, je dis bien peut-être. Si je me prends rien entre temps, le chariot qui est là, on va tenter de couper. Eh ben, c'est parfait, il est allé se ranger. Le garde, on l'évite. J'étais ralenti par ce PNJ. Alors, ça me paraît compromis, les amis. Je sais pas du tout si je vais y arriver, mais je lâche pas l'affaire. Ça, c'est clair, je vais aller jusqu'au bout. Non! Ça va se jouer à rien du tout. Allez, allez. Ah, j'accroche la caisse. J'ai accroché la caisse. Tout va bien. No, that's okay. Don't be shy. Stand there. Here we go. Both of you get in closer. Smile. That's it. Here goes. Which do you want? Yo? Alors, pour le petit historique sur ces photos, il y a trois styles de photos différentes, tout simplement liés à aux conditions météo. This one. Okay, this one's yours and this one's Nozomi's. They're keepsakes. What's with her? I'm going to Canada. What? I took a while to decide, but hey, if it's what you've decided, it's what you've decided. Ryo, don't do anything stupid. Of course I won't. I'll always treasure this. Ryo,
Take care of yours too. I will. I'll come back when I'm on vacation. Sure. Bye then, Ryo. Nozomi. Alors pourquoi cette photo plutôt qu'une autre? Tout simplement parce que c'est celle que j'ai préférée sur les deux. Et pour en revenir à l'histoire des photos, donc comme je vous le disais, c'est les trois photos différentes entre guillemets, c'est à cause du temps qu'il fait tout simplement. Mark, have you seen any of the Mad Angels? No, sure haven't. All right. Alors je vais les questionner, mais bon, je sais pertinemment qu'on n'apprendra rien de. Hitoshi, Ryo, is your lunch big enough for you? Yeah, it's plenty. You can have half of mine if you want. Thanks, but I got a small appetite, so sometimes I can't finish it, you know? Is that so? Excuse me. Yeah? Have you seen the Mad Angels around? I don't know anything about them. Ask the foreman. Yes. Et le dernier. Hey, Tsuyoshi. Hey, Ryo. Are you hiding something from me, man? No. You kinda got that look, you know, like you're hiding something. Well, I'm not. Really? You sure? Well, you be sure to let me know if something's up. Yeah. Ok, donc lui va se prendre pour Nozomi. Attention, Ryo, fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Donc, lors de l'épisode précédent, on a appris que les Mad Angels avaient... Est-ce que je peux dire ça comme ça? Je vais transformer ma phrase, ça sera un petit peu mieux. Donc, les Mad Angels traînent souvent, dès qu'il fait nuit, de ce côté-là. Alors là, on voit rien, c'est super. Donc, du côté de la cafette. Voilà, donc je pense que sur le prochain épisode, on aura un petit peu d'action. Pour le moment, on va voir un petit peu si on a du monde. Alors, notre ami le clochard n'est toujours pas là. On va aller voir Tom, il saura peut-être quelque chose. Tom. Hi, Ryo. I've got something to ask you. Do you know where the Mad Angels hang out? I don't know. Ryo, I heard a rumor that you are going after the Mad Angels. I've got my reasons. Trust me. No, man. Do not go and get mixed up with them. If you know anything about them, please, Tom, you've got to tell me. Sorry, but I don't know, man. Really? Ok, donc du côté de Tom, on apprend absolument rien. Je vais aller voir du côté de leur repère. Alors, on va traverser tout ça en espérant pas tomber sur un chariot, même si on est dans le bon sens. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de soucis là-dessus. Alors... Ah, c'est horrible de parler du nez comme ça. Je déteste ça. Et encore, vous m'auriez vu mardi, je comptais honnêtement reprendre mes épisodes mardi. Quand j'ai entendu ma voix, je devais parler à peu près comme ça, je pense. Donc honnêtement, vous lancer une vidéo et parler comme ça, je me suis dit, c'était très moyen. C'est pour ça que j'ai préféré attendre un petit peu plus, et je suis vraiment désolé pour ça les amis. Mais je voulais à tout prix vous faire quelque chose de propre. J'avais pas l'intention de vous lancer quelque chose et de faire un truc vraiment... tout pourri. Alors, on a absolument rien ici. On va aller questionner le monsieur qui est là. Bonjour. Excuse me. Leave me alone, will you? I'm sorry. Oui, d'accord, on va te laisser tranquille. Ok. Il a pas été Père Noël dans une vie antérieure, lui? Antérieure? Intérieure. Alors... Huh? Did you see anyone from the Mad Angels? I hear they're always raising hell at night. Okay. Ok, on n'a rien de ce côté-là. Je vais aller voir de ce côté, c'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas passé par là pour glaner quelques infos, mais pour le peu de monde qu'il y a, honnêtement... Excuse me. Yeah?
Did you see anyone from the Mad Angels? You know, the foreman would know about stuff like that. I see. Bah oui, le contremaître, pourquoi j'ai pas pensé? Surtout qu'en plus... C'était limite. Un des gars qui bosse avec nous nous en a parlé. Donc on va tenter de faire ça rapidement. Et tout de suite après ça, je mettrai fin à l'épisode, les amis. Et il n'y a personne. Bon, bah écoutez. Je vais mettre fin à l'épisode maintenant, les amis. Alors oui, ça va faire un épisode court. Oui, il n'y aura pas les accélérés. Je suis désolé, comme je vous l'ai dit. Esquive, olé. J'ai pris pas mal de retard, du coup, à cause de mon absence. Alors, je vais préparer ça avant d'être en galère. Voilà. Et je vais faire au mieux pour essayer de rattraper le retard que j'ai pris pour vous préparer cette petite surprise pour le final de Shenmue, comme promis. Voilà. Donc, les amis, si vous avez aimé cet épisode qui marque enfin mon retour, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser dans les commentaires tout ce que vous aurez à me dire, même si vous avez des questions à me poser sur les raisons de mon absence, tout ça, si vous voulez un petit peu plus de détails. Allez-y, pourquoi pas, hein. Écoutez, je suis prêt à répondre à vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à partager la vidéo pour tous ceux qui n'auraient pas vu que je suis enfin de retour. Les amis, oui, c'est pour la 25e fois au moins que j'ai dû le dire dans cet épisode, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc les amis, portez-vous bien, à très très bientôt, c'était Ryosuke.